la Ligue 1, ça ne vaut rien. À voir. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo particulière, c'est le moment parfait de vous proposer mon classement final de la Ligue 1 édition 2021-2022. Après un mercato très bien géré, malgré la crise par la plupart des clubs français, des départs, arrivées réfléchis, joueurs comme entraîneurs, des transferts carrément historiques, le championnat est de plus en plus relevé, les projets divers mais ambitieux à long terme, sur le terrain, les systèmes et jeux proposés par certains, vers l'avant, avec prise de risque, très intéressant. Alors c'est loin d'être facile d'en tirer les conclusions, tant il y a de critères à prendre en compte, en plus du facteur chance. La chatte qu'il a, la chatte. Mais je m'y suis collé, je compte sur vous pour faire la même en commentaire, avec le meilleur pouce bleu évidemment pour le soutien, le référencement. On est ensemble, ça bouge pas, et je rappelle au passage, on est dans le thème des pronos, vous avez toujours 100 euros offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXCITY, le lien est en description. On est donc parti pour entamer mon classement à la 20e place, le promu troyen. L'un des acteurs au titre, Laurent Batlles, compte visiblement parodier son 3-4-3 redoutable de l'an passé dans l'élite. Les arrivées se sont enchaînées cet été pour le confectionner, avec Kwame, prêté par Lille la saison dernière, qui a signé définitivement. Youssouf Kone, cédé un an par Lyon. Mama Baldé, recruté pour près de 3 millions à Dijon. La somme identique pour Ipar à Nîmes. L'expérimenté Jesse Moulin en provenance de Saint-Et. Et même Rami de retour en Ligue 1, pour citer que. Même avec ce beau monde et les ingrédients de la montée, ça fonctionne pas vraiment pour l'instant, et j'ai du mal à voir l'Estac sortir de la zone rouge à de la saison, juste devant l'un des clubs qui va lutter pour son maintien selon moi, Brest. Deux des éléments clés de l'effectif ces dernières saisons ont fait leur valise, Charbonnier et Perrault. Bon, ce dernier justement a été remplacé par Uronen après un long passage à Genk. D'autres renforts ont débarqué, Bizot en provenance de la Z Alkmaar dans les cages, le jeune Brassier lâché par Rennes pour 2 millions d'euros qui est titularisé en défense centrale et une des arrivées majeures, pas un joueur mais un entraîneur, Der Zakarian comme successeur de Dall'Oglio avec son jeu de transition rapide vers l'avant et Fèvre qui a été conservé. Ça peut grappiller des points précieux par-ci par-là mais je suis pas totalement convaincu, j'en reste donc là. On poursuit avec la ville qui assistait à la première de Messi en Ligue 1 Uber Eats. Cette phrase paraît encore tellement irréelle. Le stade de Reims, pour moi, comme la saison dernière, sera au cœur de la bataille maintien. Oscar Garcia, le nouvel entraîneur, peine vraiment à mettre sa patte et constituer une identité de jeu. À voir quand même ce que vont apporter les éléments venus sur le gong de Der Néerlandaise. Le jeune attaquant de 22 ans, Venbergen, et le puissant milieu défensif, Mattus Iwar, recruté à Groningen pour 4 millions d'euros. Paragis, ça me semble cohérent. Aux portes, maintenant de la zone rouge. Metz, qui a un peu surpris la saison dernière en terminant pile dans le milieu de tableau. Sous les ordres d'Antonetti, la mayonnaise a pris concrètement. Les deux pistons, Delaine et Santon, ont posé beaucoup de problèmes sur leur côté. En plus, après cet été, l'effectif est quasiment resté intact. Angban est l'un des seuls joueurs importants à avoir quitté le navire. Pape Matarsar qui a signé à Tottenham et a permis au club de faire sa ventre-corps. Reste Grenat en prêt. De Préville, en fin de contrat à Bordeaux, s'est engagé pour 3 saisons. Bref, il y a des raisons de croire que ça promet, mais par défaut, et de ce que j'ai pu voir jusque-là, je place les Messins à la 17e position. À la 16e, un club très mal géré depuis Kita. Le FC Nantes, une gestion qui au fil des années impacte les résultats. Un climat tendu avec les supporters, des changements d'entraîneur, 3 sur la même saison dont la blague Domenech qui n'a pas enregistré un seul succès, ça fait tâche. Heureusement, comme souvent, Comboire sauve la mise, mais la catastrophe était vraiment pas loin. À côté de ça, les Canaries se sont pas forcément montrés très actifs sur le marché des transferts. Après la levée de l'option d'achat de Lafont, Wylan Cyprien a débarqué en prêt de Parme, l'ancien Lensois qui connaît bien son entraîneur avec son passé. Goebbels en prêt de Monaco, avec les cadres déjà présents dans l'effectif, je les vois quand même se maintenir sans forcément viser très haut. Dans la continuité, que dire de Bordeaux qui a failli aller jusqu'au dépôt de bilan après le retrait de l'actionnaire majoritaire, un club proche du gouffre, mais désormais à bon port avec Gérard Lopez aux manettes. Un nouveau projet se met en place. L'objectif du nouveau propriétaire est clair pour cette saison, viser la 10e place. Pour ce faire, l'ancien sélectionneur de la Suisse a été appelé sur le banc. Des jeunes sont venus en renfort, Pembele, Mensa et Mangas. L'un des seuls points positifs de la saison dernière, Yassine Adli, s'est certes engagé avec Milan, mais reste en prêt à Bordeaux. Alors jusque-là, les résultats font peur, mais je pense que les Girondins vont prendre un élan positif. Pas comme Montpellier, par exemple, 2 constats forts à retenir. L'arrivée de Dall'Oglio, déjà pour le renouveau, mais surtout de nombreux départs enregistrés ensuite, et c'est pas un plus, loin de là, surtout quand il s'agit de joueurs cadres. En défense, Daniel Congré parti vers Dijon, le Talek en Grèce à l'AEK Athènes et le quarantenaire Hilton qui a pris sa retraite. S'ajoute à ça, avec la nécessité de renflouer les caisses en dernière minute, les plus gros atouts offensifs lâchés. Montpellier a récupéré 10 millions d'euros avec Delort à Nice et 15 millions avec Gaëtan Laborde à Rennes. Pas sûr que les Sacco, Tuller et Germain, entre autres, vont pallier ce manque et faire l'affaire. D'où cette place. Bon, les amis, si je vous sors le terme de surprise dans ce début de saison, vous me dites qui? Bah Clermont, forcément. 13e, effectivement, Pascal Gastien, l'entraîneur, prend le beau jeu, la possession, la projection vers l'avant, ce quel que soit l'adversaire, et l'équipe a plus d'équilibre que l'autre promu. 3. En parallèle, l'effectif de la montée n'a pas vraiment bougé, les meilleurs éléments ont été conservés, à l'image du numéro 9, Bayo, le meilleur buteur de Ligue 2 édition 2020-2021 qui s'est déjà montré efficace. Attention néanmoins aux différentes approches, il y en aura lors du prochain mercato hivernal. Des joueurs sont aussi venus afin d'apporter leur pierre à l'édifice, je pense à Pierre-Yves Hamel, Mendy ou encore Raoui que les Marseillais connaissent bien. À mon avis, les Clermontois pour leur première en Ligue 1, il faut pas l'oublier, ont tout absolument pour garder ce statut de surprise jusqu'au bout. On s'approche au fur et et à mesure du ventre mou, Strasbourg désormais, qui a aussi vu du changement sur le banc après l'orée. Julien Stéphan a pris le relais, son système à 5 défenseurs au cours des derniers matchs a l'air de prendre. Bon, ça aide aussi d'avoir un ou plusieurs joueurs clés dans chaque secteur, Djikou, Lucas Perrin derrière, Thomasson, Bellegarde au milieu, Ajorc associé à un ancien de la maison, Gamero devant. C'est une équipe qui fera mieux et qui fait déjà mieux que le sale début de saison dernière. On peut en dire la même chose pour Lorient, qui commençait délicatement l'an passé, maintenu de justesse, mais un réveil, ou plutôt un déclic après la victoire face au PSG, une véritable révélation en attaque, Mofi qui inscrit 14 buts, tient d'ailleurs le timing parfait pour illustrer mes propos, sa performance contre Lille hier, et notamment sur un des buts où il élimine 3 joueurs, seul petit bémol pour les Merlus, pas beaucoup de renforts cet été, hormis le latéral brésilien Igor Silva, Jens en défense centrale, de nombreux départs qui s'ajoutent à ceux en cours de saison dernière, Johan Vissa à Brentford, ou Bozok en prêt à Kajimpasa, je les vois en milieu de tableau, on bascule dans l'autre moitié du classement avec Saint-Étienne, un club qui vit une crise financière comme beaucoup, qui repose essentiellement sur son centre de formation, beaucoup de jeunes, un manque d'expérience, mais un entraîneur Puel qui connaît bien le championnat et qui sait comment parler à ses joueurs, pas grand chose à dire de plus. 9ème avec Clermont, l'une des équipes qui en a surpris plus d'un depuis le début de saison, Angers. Le SCO a changé d'air après l'emblématique Stéphane Moulin qui était là depuis 2011, l'ex-adjoint lyonnais Batik l'a pris les commandes. Pour l'instant le pari est gagnant et ce, malgré les plusieurs départs à l'image d'Ait Nouri à Wolverhampton, il reste des bons joueurs de Ligue 1 quand même, Fulgini et le très jeune prometteur Mohamed Alicho devant, Bouffal un peu plus en retrait, Mangagno au milieu, Cabot sur le côté droit, le gardien Bernardoni, à voir évidemment sur la durée, mais j'y crois personnellement, c'est beaucoup moins le cas par exemple de Monaco, effectivement que je place déjà. Les Monégasques m'ont beaucoup déçu depuis le début du championnat, une équipe qui a souvent le ballon mais qui manque cruellement d'efficacité, on l'a vu en Ligue 1 déjà mais aussi lors des barrages de Ligue des Champions, pourtant Niko Kovac a les joueurs adéquats, les meilleurs qu'il a conservés et des petits nouveaux, Neubel désormais titulaire au but, Jean-Lucas au milieu et le crack hollandais Boadou. S'il n'y a pas de déclic je vois pas mieux que ce positionnement, pareil d'ailleurs pour le champion de France, effectivement Lille qui figure à son tour assez tôt dans ma liste, comme prévu c'était inévitable, des éléments importants sont partis, Maignan à Milan, Soumaré à Leicester, Renato Sanchez toujours lillois, certes, mais blessé plusieurs semaines, enfin la plus grosse perte, sans aucun doute Galtier, Gourvenec a la lourde tâche de reprendre le bateau, avec l'actualité et ce qu'on vient de voir à Lorient, les critiques fusent à droite à gauche, déjà 10 buts encaissés en 5 matchs, le point fort de la saison dernière, la défense devient une faille, en plus de ça, les arrivées se comptent sur les doigts des mains, très peu nombreuses, Gerbich donc qui remplace Maignan, Gunmunson qui vient de Groningen en dernière minute, avec la LDC, la fatigue va vite se faire ressentir, et une place européenne à la fin du mois de mai me paraît compliquée, alors attention à présent puisque je sens qu'on va me dire, oui t'es chauvin, blabla, libre à vous, mais le RC Lens effectivement, qui pour moi, et je l'espère forcément, va réitérer la chose. Jeu très vertical, énormément de prise de risque, tel est le système et l'animation prônée par Franck Hez, avec des joueurs qui font énormément d'efforts, un milieu de terrain très fourni, Fofana qui monte en puissance, Doucouré, Kakuta, Cahuzac, bref, il y a clairement de quoi faire, malgré la seule perte importante, quand même Badé, mais derrière les recruteurs ont flairé les bons coups avec intelligence, le jeune Wood, Nancy qui manque encore d'expérience, l'imposant Danso au même poste, Machado sur le couloir gauche, Frankowski à droite qui a déjà montré son utilité avec peu de temps de jeu, et devant Kalimwendo, auteur d'une belle prépa avec le PSG de retour en prêt, européen donc mélensois, alors pas dans la meilleure des compétitions certes, mais quand même ce serait incroyable, le club qui dispute cette compétition cette année, justement l'Europa Conférence, Rennes sur la première place qualificative en Ligue Europa, malgré la perte prématurée de Kamavinga qui a rejoint Madrid, Florian Maurice est allé chercher quelques pépites, comme Souleymana qui vient de la D1 danoise et qui va apporter vitesse et percussion, Badé qu'on venait de citer, le croate Lovro-Mayer, des un peu plus expérimentés comme Laborde, Santa Maria après un court passage d'un an en Bundesliga qui revient fouler les pouces du championnat de France, Melling le latéral norvégien livré par leur Legue Nîmes, reste à Genesio de trouver la bonne formule avec les Doku, Haggard, Terrier, Bourigeau, T, tous déjà présents et je pense qu'il peut y parvenir avec le temps, il en faudra autant au passage de son ancien club Lyon avec Peter Bosch arrivé en provenance de l'Ajax, entraîneur qui propose du beau jeu d'abord validé par les supporters lyonnais mais seul le terrain parle, il doit désormais trouver les bons mots pour changer les mentalités de certains, voire pire prendre des décisions radicales comme ça a été le cas avec Marcello, il y a eu quelques pertes dont une phare avec Memphis Depay parti au Barça, un mercato hésitant mais à la fin plutôt intéressant, Shaqiri cédé par Liverpool pour aider offensivement, le latéral recherché qui a été trouvé, champion d'Europe, Emerson, et le gros coup, entre guillemets, Jérôme Boateng. Je sens bien la 4ème place, voilà, avant la première marche du podium, qui sera occupée, je pense, par l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, l'OGC Nice de par son mercato, XXL, d'abord Made in Pays-Bas, avec Stengs, Kluivert et Rosario, à ça s'ajoute Lemina, Melvin Bard, le transfert définitif de Todibo, et surtout Delort en clôture de mercato, une dernière recrue qu'on remet à Galtier, l'entraîneur a déjà fait fort en ce début de saison avec des scores fleuves, d'abord contre son ancien club à Pierre-Mauroy, puis face à Bordeaux, 4 buts, mais surtout clean sheet respectivement, avec un tel buteur, Delort donc, c'est un très gros plus, c'est un club qui s'est tout simplement mis à la hauteur de ses ambitions et qui peut large faire partie du top 3, il reste 2 places, la première sans surprise Marseille, Longoria a fait un très gros travail, il avait prévu 10 recrues, près de 10 recrues justement au total ont été bouclées, Saliba, Guendouzi, Under, Conrad, Gerson, Balerdi, Paul Lopez, Lirola, 100% marseillais, Aminarit en dernière minute, alors ramener du monde c'est bien, encore faut-il savoir les faire jouer ensemble, Sampaoli parvient pour le moment à s'en sortir avec sa défense à 3, son milieu qui se projette, tête, ces ailiers qui percutent et dribblent beaucoup, bien aidés en plus par certains qui retrouvent leur forme, je pense évidemment à Payet. Et donc enfin, pour compléter la liste, sans surprise le grand favori, comme chaque année depuis l'arrivée du Qatar, encore plus avec cet été historique marqué par les arrivées de Wijnaldum, l'un des piliers de Liverpool, Hakimi, considéré comme le meilleur latéral droit au monde actuellement, Sergio Ramos, le capitaine légendaire du Real, bon, on attend toujours ses débuts, le portier Donnarumma, tout récent champion d'Europe, l'inégalable Messi, enfin, comme si c'était pas assez, Nuno Mendes, qui aura l'occasion de se dévoiler sur le couloir gauche de la défense, reste à Pochettino de trouver un schéma pour éviter les déséquilibres, notamment sur la transition défensive, voilà, pas grand chose à dire de plus. Dites-moi, les amis, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, avec un avis toujours constructif, je compte sur vous, si la vidéo vous a plu pour lâcher votre meilleur pouce bleu, important, ça bouge pas, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex T, ciao ciao.